Les amis, vous m'avez grave manqué, franchement ça fait hyper longtemps que je fais une vidéo. Bon, ça fait une semaine, mais bon, pour moi c'est vraiment, ça fait longtemps quoi. Juste avant qu'on commence à discuter, je voulais juste remercier Noptier qui m'a envoyé ce siège. Donc voilà, maintenant on a plus le petit siège nul, là on a un vrai siège. Maintenant on peut faire ça, regardez, hop. Oh, 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 oh. Et hop, là on peut se poser comme ça, tu vois. Tu te passes une petite série Netflix, là tu vois, juste en face là, tu vois. Tu te passes une petite série Netflix, t'es comme ça, t'es tranquille. Bon les gars, c'est pas le sujet de la vidéo, je suis juste à vous dire que voilà, il y a le siège juste derrière moi, je vous mettrai le modèle dans la description. Un grand merci à eux, n'hésitez pas à checker leur site, pour ceux qui sont intéressés pour des nouveaux sièges de marque. Achetez l'Optière, achetez l'Optière. Le mec est... Bon sinon les amis, il y a quelques jours, il y avait un abonné, il m'a passé justement son compte avec des skins hyper rares. Vraiment, il y a des skins, on va dire que très peu de gens sur Fortnite ont des planeurs. Surtout le planeur, il y a un planeur que personne n'a justement. Enfin, à part les gens qui ont joué vraiment au début de la saison 1, voilà. Et donc voilà, j'ai apprécié son compte et motif, c'était vraiment de faire top 1 avec. Vous verrez si j'ai réussi ou pas, en tout cas, il y a des très belles actions comme on l'a eu dans la pré-intro. Et... Ah oui, d'ailleurs les amis, je serai présent à la Paris Games Week du 26 au 30 octobre, donc n'hésitez pas à venir me voir. Je serai dans pas mal d'endroits, stand Fortnite, plein de stands, donc voilà, n'hésitez pas à venir à la Paris Games Week. Ah, mais aussi sur Instagram et Snap, qui vont s'afficher à l'écran, donc voilà, vous devrez me suivre sur ces réseaux sociaux, où je mettrai justement où je serai, etc. Et du coup, voilà, j'espère que ça va vous plaire les potes, c'était Shadowbass. N'hésitez pas à follow sur Instagram et Snap, c'est très important les potes pour la Paris Games Week, pour ceux qui viennent pour la Paris Games Week, je vous mettrai tous les liens en description. Allez follow dessus, ça fait plaisir. Et je vous dis bah bon visionnage à tous. Ok les amis, on est sur Fortnite, on va aller en Battle Royale, on va découvrir les skins qu'il nous réserve. Donc Battle Royale, c'est parti. Je me suis pas encore spoil, je sais juste qu'il y a des skins hyper rares d'après ce qu'il m'a dit. Casier les gars, on est déjà dans le casier, déjà on est dans le casier. Quand je dis hyper rare, c'est... Attendez. Non les gars, attendez. Oh je crois qu'il a fait exprès ça, Mako. Les mecs, attendez, Mako. Les gars, attendez, on va aller sur Google tout de suite. Arrive bientôt à la fin de ce top avec à la deuxième position un planeur qui s'appelle Mako et pas Makouille. Ça va peut-être vous étonner, mais figurez-vous que le Mako qui est connu pour être l'un des planeurs les plus rares de Fortnite. En fait, le Mako était débloquable une fois passé le niveau 25 de la première saison. Ok les amis, d'après ce que j'ai vu, ce planeur est le plus rare de Fortnite. Ce planeur, je crois, était disponible à la saison 1 et bah depuis en fait, bah il est plus sorti en fait. Il coûtait je crois 500 V-Bucks et sorti une seule fois à la saison 1 et seuls les gens qui ont joué à la saison 1 qui ont pu l'acheter cette fois-ci. On peut l'avoir, donc c'est vraiment le planeur, le premier planeur le plus rare en fait. Clairement, c'est un des planeurs le plus rare, donc on va le mettre, clairement on va le mettre. Niveau pioche, qu'est-ce qu'on a niveau pioche? Donc là on a toutes les nouvelles pioches. Oh non mec, non. Celle-là les mecs, celle-là, je rêvais tellement de l'avoir à l'époque. Mais bon, j'ai pas pu l'avoir, vu que c'était, je sais pas c'était quelle passe de combat. Mais bon, je voulais grave l'avoir à l'époque, mais je l'ai pas eu, mais maintenant, voilà. Allez on l'a, attends, celle-là c'est celle de Noël. Putain mais le mec, en fait il joue à Fortnite depuis hyper longtemps en fait, hein, vraiment. Parce que pour avoir des skins comme ça, faut vraiment jouer depuis super longtemps. Oh là, bon je pense qu'on va garder. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Non, on va se mettre le petit portail au calme. Bon, maintenant c'est l'heure des skins les gars, l'heure des skins les plus rares. Voyons voir quel skin il a, on va cliquer dans 3, 2, 1. Allez c'est parti. Ok les potes. Oh là là, attendez, on va commencer par le bas. Donc qu'est-ce qu'on a vers le bas? On a ce skin soldat, bon je pense pas qu'il soit très rare. Ensuite on a les petits skins normaux. 2 hours later. Oh wow, les mecs, écumeuse renégate. On va la mettre direct. Non en fait pour ceux qui savent ça, pour ceux qui veulent savoir, ce skin c'est vraiment un des plus rares de Fortnite, c'est vraiment le plus demandé. Mais en fait je crois qu'il était sorti, je sais plus à quelle saison, mais c'est vraiment un des skins les plus rares. De toute façon les gens ils pourront vous le confirmer dans les commentaires. C'est vraiment le skin et en plus on a le gentil maraudeur. Les mecs, ce skin là aussi c'est un des plus rares parce qu'en fait c'est, on va dire c'est les skins qui sont sortis dans la période de Noël où il y avait pas beaucoup de gens qui jouaient. Mais bon, on a l'écumeuse et renégate. Et c'est quoi, on va jouer avec les deux skins? On va commencer par l'écumeuse renégate. Après on va enchaîner avec le petit gentil maraudeur. C'est quoi, il a commencé par l'écumeuse, c'est parti, let's go. On la met, on a en plus le planeur qui est sorti qu'une seule fois sur Fortnite. Salon, objectif les potes, faire top 1. Allez, accepter, jouer. C'est parti pour le top 1. Et let's go les potes, on est en game. On va à l'île volante. Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a pas les mêmes touches forcément. Du coup j'ai dû changer vite fait quelques touches. J'ai pas tout modifié non plus, juste certaines touches. Oh putain, on a le planeur les gars. On a le planeur ultra rare, il est sorti qu'une seule fois. On a la pioche, là franchement on est en mode vraiment hyper rare quoi là. Là clairement tout ce que j'ai là actuellement c'est des trucs hyper rares. Bon, je viens prendre ça, j'espère que je meurs pas dès le début. Parce que le pauvre il a quand même des stats à tenir tu vois. Allez hop, on a quoi ici? On a ça. Ok c'est bon, je l'ai eu. Ok putain, lui m'a fait peur. Lui il m'a clairement fait peur. On va se mettre juste un petit bandage ici je pense pendant ce temps là. Je peux pas, mec, je peux pas m'accroupir. J'arrive pas à m'accroupir, merde. Ouais c'est pas grave, on a pas besoin de s'accroupir nous. On a pas besoin, vas-y go. Pas besoin de s'accroupir, on est là. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a qui là en bas? C'est qui là qui sont en train de se fight là? C'est qui ces mecs là? Toi t'es qui toi?
Voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant, frérot? Allez. Non, ouais, ça va, on est à 2 kills. Objectif, faire au moins 4 kills par game. Parce que j'ai pas envie de niquer ses stats non plus, tu vois. Y'a quoi à côté? Mec, y'a rien, quoi. Oh là là, y'a personne. On va essayer de se barrer ici vite fait alors. Personne en bas aussi? Merde. C'est mardi, allez, on y va, les potes. Bon, je crois qu'il y a des gens vers là-bas, vite fait. Pas des gens là-bas? Oh non, merde. Non, je suis mort, putain, 2 kills. Aïe, 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 aïe. Bah après, c'est pas la même touche, j'arrive pas à m'accroupir et tout. Voilà, j'ai une excuse au moins. Bon allez les gars, on part sur un petit Crazy Groove. Deuxième game, bon la première, c'était ma première game du jour. C'est un peu normal, j'avais pas mes touches. Là ça va, j'ai remis quelques touches et j'ai rajouté quelques trucs à moi, et on va voir ce que ça donne, ok. C'est parti, go. On est quand même les gars avec le planeur qui est sorti une seule fois à la saison 1 de Fortnite quand même, hein, vraiment. Donc ceux qui ont ce planeur, soyez fiers de vous, vraiment, parce que c'est un truc, mais merde, vas-y. Ok, on a une mitraillette sur nous les potes, c'est parti, go. Y'a pas un mec à côté là vite fait? Je me sens seul là, putain. Non, c'est bon, il arrive. Non, mais mec, je suis mort par un piège, quoi, gros. Il s'appelle Zizou en plus, le gars. Je suis mort par Zizou, les mecs. Putain, c'est n'importe quoi, c'est bon. Bon, c'est quoi, les gars, on va changer de skin. On va changer de skin, on a assez joué avec les cumeurs. On va mettre le petit skin. Oh là là, mais lui, en vrai, je le trouve grave BG. Lui, c'est vraiment un des skins que j'aurais de pas avoir eu, en fait, à l'époque. On va le mettre avec cette cape. En vrai, il passe avec cette cape. Et là, regardez-moi ce skin. Regardez-moi ce skin, les potes. Si ça, c'est pas beau, allez, on y va, c'est bon. Là, top 1 assuré avec ce skin, top 1 assuré. Bon les potes, vous savez quoi, on part à Salty. Là on a skin qu'il nous faut pour le top 1. On va le faire le top 1, j'espère aussi que je vais pas niquer ses stats. Parce que là je crois que j'ai fait une game à 2 kills. Une game avec 0 kill, là j'ai intérêt à faire du kill. C'est parti, ok, ennemi rep. Oh non, il a acheté un nouveau skin lui, allez. Allez go, ok, maintenant on a plus qu'à enchaîner l'équipe, attends c'est parti. Mais mec, mais gros. Non les gars, j'ai remarqué un petit truc, en fait c'est justement le petit soutenir un créateur qui est sorti récemment, donc voilà. Je vous invite à mettre Shadow Bassofi, comme là il a mis le full breeder. Moi je me dis, gros, hey, on va mettre Shadow Bassofi. Comme ça au moins c'est bien, accepté. Voilà, tu vois, là c'est mieux, là c'est mieux, là c'est mieux. Donc je vous invite à mettre Shadow Bassofi pour ceux qui veulent le faire. Allez-y, je vous oblige pas, mais comme vous voulez les potes. En fait si, vous êtes obligés. Bon les gars, on va essayer un truc, je vais parler maintenant là. Et je vais vous mettre de la musique. Et on va voir si je vais mieux jouer. Allez, c'est parti, go. Putain, j'ai les larmes à l'œil. Ok, ça dégage. Voilà. Passe pas tout le stuff là. Gros, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais non, mais les gars, le mec, il est 13h. Il y a des gens qui tryhardent déjà sur le jeu. C'est quoi ce bordel? Moi, je me dis à 13h, c'est tranquille. Putain, mais mec, il y a tout le monde qui tryhard là ou quoi? Putain, les gars. Bon, allez, c'est bon. On va mettre la musique épique. Je pense que là. C'est le moment les gars, c'est le moment, on va le faire. Top 1, c'est parti, go, c'est bon. J'en ai marre, non mais j'en ai marre. Top 1, c'est bon, on y va. Bon ça va, là je pense on est bien. Là en plus on a nos 4 kills. En moins là les 4 de KD ils passent. Ok, ça c'est fait, maintenant manque plus que le top 1. Manque plus que le top 1, il y a un mec là-bas. Il y a des mecs à suite tête, juste me faire éclater la gueule. Ouf. Alors là mon pote, cette balle elle venait de l'espace, hein, vraiment. Là mec, toi aussi là, toi tu vas te prendre une balle. Oh, les deux. Alors là les mecs, c'est le skill. Non mais là c'est le skin rare, tu vois, il s'est réveillé. Non mais là les gars, je suis passé joueur pro, c'est bon. Prochaine vidéo, je suis chez Solari et tout. T'es un malade toi. Non mais mec, mais gros, j'étais à 6 kills. Non mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible ça, c'est chiant. Non les gars, c'est pas possible de mourir comme ça. J'en ai marre, j'en ai clairement marre, putain. Bon les mecs, on va se faire une petite dernière game avec le skin tacticienne. Je sais pas si c'est un skin rare, mais je pense que oui, parce que je crois que ça faisait, enfin il faisait partie un peu des premiers skins, on va dire. On va se le mettre, on va jouer avec, on va voir ce que ça donne, mais bon. Bon les gars, dernière game avec l'écumeuse. J'espère qu'on fera le top 1 cette fois-ci, mais bon, il y a quand même pas mal d'action, pas mal de kills assez stylés. Pour le moment, dernière game, objectif top 1. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Bon allez, c'est parti, dernière game, objectif tilted dès le début. Non mais c'est moi les mecs, on arrête de déconner. Là on est là pour faire du kill. On a le skill en nous, on va faire le top 1. Par contre, qu'est-ce que ça fout là, ça, déjà, en fait? Pourquoi c'est là, ça? Ok, je l'ai eu. Oh là là, les mecs, le fourbe que je suis, quoi. Donnez-moi du stuff, la vide. Ok. Lui, il est mort, déjà. Oh là 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 là. Allez, le top 1, on va le faire, là. Allez. Le
mec, 13, je lui rentrais 13, mais c'est pas possible. 13! Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, c'est une petite vidéo un peu sympa, un peu qui change de d'habitude. Donc en gros, c'est un abonné, il m'a passé son compte, j'ai joué avec. Et il a des skins hyper rares. D'ailleurs, je peux vous montrer les skins pour ceux qui sont intéressés. J'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, ça m'intéresse, est-ce qu'il avait le skin version violet? Est-ce qu'il l'avait avant ou... Non, je crois... Bah oui, non, il l'avait pas. Dommage. Bon, les potes, on s'attaque à la prochaine vidéo sur Shinobas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, à vous abonner. Si ce n'est toujours pas fait, ça fait plaisir. On vise les 300 000 très bientôt. C'était Shinobas. Allez, tu vas les potes. Do it like this. I've been on the ground like this. Do you like this? Don't nobody do you like this. This is my shit. You be like, it's about as good as it gets. Do it like this. Do it like this. Look at my click. Look at my click from the jump like this. Got over the hump like this. Now we up, like up, like up. Now we up, like.